Les choses s'accélèrent au sein du régime totalitaire congolais. Christelle Sassou Nguesso sera désignée très prochainement grand-maître du Grand Orient du Congo, malgré la forte opposition observée au sein des partisans du régime. Une désignation qui ouvrira sans doute une succession de gré à gré. Denis Sassou Nguesso, qui perd peu à peu sa vitalité physique, tente d'imposer son fils, né d'une mère étrangère, à la tête du pays. Sauf erreur du calendrier, Christelle Sassou Nguesso devrait être désignée grand maître du Grand Orient du Congo au cours d'une cérémonie qui réunira tous les frères de toutes les obédiences du pays cette année, afin d'amorcer une passation de pouvoir. Un stratagème qui lui permettra d'écarter définitivement ses concurrents, notamment Jean-Dominique Okemba, député grand maître franc-maçon du Grand Orient du Congo. Après cette intronisation, le fils du dictateur congolais devrait prendre officieusement la gestion de la chose publique avec un droit de regard élargi sur tous les portefeuilles ministériels. Pour la petite histoire, Christelle Sassou Nguesso n'a pas hésité d'instrumentaliser l'affaire de l'inceste d'Edgar Nguesso pour sortir ce dernier du jeu. Dominique Okemba, semi-analphabète, en tablier dans une salle humide, a donné des gages à son oncle. Le Congo se dirige peu à peu vers le chaos, si rien n'est fait. La famille Sassou Nguesso est dans l'ivresse du pouvoir, et le réveil sera brutal.